Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le pape François est entré cet après-midi en liaison satellite avec la Station spatiale internationale. La généticienne Alexandra Orion-Code attire sur les terribles dérives face aux nouvelles manipulations génétiques. Et puis à la veille du grand dialogue organisé à Rome par les évêques européens avec des leaders politiques des 28 pays, nous entendrons le secrétaire général de la COMECE, organisateur de cette rencontre pour les 60 ans du traité de Rome. Des milliers de protestants sont attendus ce week-end à Strasbourg pour fêter notamment les 500 ans de la Réforme. Il y a un an, le pape François a participé en Suède au lancement de cette année de commémoration, signe des avancées du dialogue. Mais derrière, comment catholiques et protestants peuvent apprendre à mieux se connaître pour cheminer ensemble vers l'unité? On échange dans quelques instants avec Gérard Leclerc de France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Et Frédéric Cazatsu de Réforme. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Station, this is Isa Piello here in the Vatican. How can you hear me? Jules, good morning. This is the space station. We have a little bit of echo. Can you try again, please? Et pour débuter le journal, cette rencontre inhabituelle entre le pape François et des astronautes. Il était 15h lorsque le Saint-Père est entré en liaison satellite avec l'équipage de la Station spatiale internationale, composée de 3 Américains, 2 Russes et 1 Italien. Depuis une petite pièce jouxtant la salle Paul VI au Vatican, le pape François leur a posé plusieurs questions, comme leur perception de l'humanité depuis l'espace, les raisons qui les ont poussés à devenir astronautes, et c'est un dialogue hors du commun qui s'est installé. Je vous propose d'en revivre une partie. Que la Terre est tellement fragile. C'est un moment qui passe. 6 km à seconde, a dit le docteur Nespoli. Vous avez dit 10 km par seconde avec laquelle vous parcourez cette orbite. Et vous vous rendez compte de ce qu'est l'homme qui peut faire beaucoup de mal. Mais vous, vous voyez ce qui est beau. Vous parlez de notre grand-père et de vos enfants. Il ne faut jamais oublier les racines. Et merci à vous. Voyager dans l'espace modifie beaucoup des choses de votre quotidien. Par exemple, l'idée d'avoir un dessus et un dessous. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous vivez dans la station spatiale qui vous a surpris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a aussi beaucoup touché, particulièrement là-haut, parce que vous êtes dans une ambiance très différente? Grazie Santo Padre per questa domanda. Lascerei la Merci, très sympa pour votre parole. Et je veux donner la parole à un collègue américain, Mike. Approaching something from a different perspective can make something that's very familiar seem unrecognizable. I'll do it sentence by sentence. Mark dice che quello che l'ha sorpreso è che quando lo spazio trovi delle cose completamente diverse che sembrano le stesse ma non riconoscibili. En allant de l'espace, nous découvrons des choses tellement différentes que nous pensions connaître mais que nous ne reconnaissons pas de la même façon. I'm focused on that and not realize that I've rotated around. Then when I go to another module, when I approach it from a different side that I didn't expect, that place. It's kind of unsettling at first when I'm trying to understand where I am. Ogni tanto mi avvicino a qualcosa da un angolo completamente diverso. J'approche les choses avec un angle un peu différent. Et je suis un peu déconcerté parce que je ne réussis pas tout le temps à comprendre où je suis et ce que sont les choses. What has been surprising to me that hasn't changed is that in this environment where we have to We don't really need the concept of up and down. To get my bearings, I still have to decide which direction to perceive as up in order to be able to make sense of things.
Ce qui n'a pas changé, effectivement, ici, il n'y a pas de haut et de bas. Je dois alors décider moi-même où se trouve le dessus et le dessous. Et je dois ainsi établir mon microcosme avec mes propres systèmes de référence. Un tel dialogue avait déjà été vécu par le pape Benoît XVI en avril 2011. En France, dans la commune bretonne de Plouermel, la croix qui entoure la statue de Jean-Paul II devra disparaître. Une décision rendue hier par le Conseil d'État après 11 ans de débats et de procédures. Érigée en 2006 dans le centre de la commune par la mairie, l'œuvre d'art d'un sculpteur russe de 7,50 m de haut n'était pas du goût des libres penseurs. Ils avaient alors saisi le tribunal administratif de Rennes pour atteinte à la laïcité. Le dossier s'est retrouvé devant le Conseil d'État. Il a estimé hier que l'installation de la croix au-dessus de la statue de Jean-Paul II est contraire à la loi de 1905. Le maire de Plouermel, M. Le Diffon, qui a soutenu la mise en place de cette œuvre, n'a pas pu se rendre disponible pour nous répondre, tout comme le curé de la paroisse actuellement en déplacement à l'étranger. Mais ce qui est ressorti de nos différents échanges, c'est que les habitants de la commune sont très attachés à leur statut de Jean-Paul II. Les nouvelles technologies en matière de santé sont à la fois formidables pour éradiquer certaines maladies, mais aussi très inquiétantes par certains aspects. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre chercheurs, docteurs, généticiens qui a eu lieu aujourd'hui à la Maison de la Chimie à Paris. Le Big Bang Santé, organisé par le Figaro, a abordé des thèmes comme les conséquences des technologies sur la relation entre le malade et le patient, le malade et le docteur, pardon, ou la place des robots en médecine. Autre point clé, le génome. Aujourd'hui, on peut couper et recomposer un ADN, ce qui ouvre beaucoup de perspectives pour lutter contre la maladie, mais qui pose de véritables questions, comme le souligne la généticienne Alexandra Henrion-Caude. On se rend compte que la manipulation du génome est beaucoup plus facile que nous l'imaginions et que du coup, nous en sommes à toucher le patrimoine génétique de l'homme au niveau des embryons et même de faire du clonage humain. Donc là, on est dans une phase de découverte que nous sommes dans une transgression qui me semble la plus considérable de toutes les transgressions. À partir du moment où on s'insère finalement pour créer une vie dépourvue de sexualité, c'est-à-dire effectivement vous n'avez pas été choisi, vous avez été donc le mélange du patrimoine de votre papa ou de votre maman. C'est ce que notre lot a tous. Est-ce que maintenant, désormais, si jamais on se prive de cela et que finalement on se clone, vers quel être nous arrivons-nous? Et ça, c'est évidemment des problèmes métaphysiques qui devraient alerter et faire que les gens se sentent concernés et pris en conséquence pour éclairer tous les esprits. En Syrie, pour la première fois depuis la fin des combats, il y a 10 mois, un évêque français s'est rendu à Alep. Monseigneur Aumônier, évêque de Versailles, vient tout juste d'atterrir d'une visite organisée avec l'aide à l'église en détresse. Comme on le voit sur ces photos, Mgr Aumônier est parti avec le président de l'AED, Marc Fromager, et le père Genouville, assistant ecclésiastique de l'AED. Ils ont été accueillis lundi par le cardinal Zenari, nonce à Damas. Ils ont ensuite visité pendant 3 jours les communautés chrétiennes. Dans un communiqué publié ce matin, le président de l'AED s'est dit choqué par la dévastation de la ville. L'évêque de Versailles dit avoir été frappé par la dignité et la force intérieure des personnes rencontrées. Et puis en Irak, le patriarche Sako a lancé un message il y a quelques jours aux dirigeants du pays. Il les a invités à un dialogue courageux, honnête et civilisé pour une réconciliation nationale. Il y a 10 jours, les troupes irakiennes se sont engagées à repousser les Kurdes des territoires disputés. Face à cette opération, les autorités du Kurdistan irakien ont gelé hier le résultat d'indépendance du 25 septembre où le « oui » l'avait largement emporté. L'unité entre les chrétiens du Moyen-Orient a été au cœur d'une discussion entre le pape François et le patriarche orthodoxe grec de Jérusalem. Théophile III a été reçu en début de semaine au Vatican. Le Saint-Père a exprimé sa proximité envers tous ceux qui souffrent des conflits qui afflige la Terre Sainte, avant d'appeler les églises de la région à plus d'unité.
Je sais bien que certaines blessures du passé continuent de laisser des marques dans la mémoire de beaucoup. Il n'est pas possible de changer l'histoire. Mais sans oublier les graves manques de charité commis pendant des siècles, tournons ensemble notre regard vers un avenir de pleine réconciliation et de communion fraternelle et mettons-nous au travail dès maintenant comme le désire le Seigneur. Le pape François qui s'exprimera samedi devant des leaders politiques et ecclésiaux européens, ce sera à suivre en direct sur KTO, une intervention lors d'un congrès ou plutôt d'un dialogue organisé à Rome par la COMECE, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, 350 responsables politiques, des cardinaux, des évêques, des prêtres, des ambassadeurs, des universitaires vont échanger à partir de vendredi sur les défis fondamentaux pour l'Europe. On écoute à Rome le frère Pocchillon, secrétaire général de la COMECE. L'Église, elle est dans tous les États membres à la fois, hein, dans les 28. Donc elle a déjà une vision qui n'est pas celle d'un intérêt particulier d'un État ou d'une culture particulière, mais qui est vraiment une vision du bien commun, commun de tous. Et puis l'Église, elle se situe aussi dans le temps long, pas dans l'immédiateté où elle n'a pas comme horizon la prochaine campagne électorale, mais elle a la prochaine génération. L'Église ne cherche rien à affirmer d'autre que l'Évangile. Hein, l'Évangile, c'est-à-dire que la vie humaine est une bonne nouvelle. Dieu nous a donné cette terre, il nous l'a confiée. Nous n'en sommes pas propriétaires, nous en sommes dépositaires. L'Église a un message, c'est engagez-vous. Engagez-vous en politique, engagez-vous dans la société, engagez-vous dans la vie de l'Église. On n'est pas sauvé tout seul, c'est en communauté. Vous savez, il y avait ce mot qui est maintenant un peu suranné, la communauté européenne. Eh bien, il faut que l'Union retrouve le sens de la communauté. Et pour aller plus loin, un documentaire « L'Union européenne et l'Église » est actuellement diffusé sur notre antenne. Samedi, il sera diffusé à 16h. En Belgique, les franciscains du couvent Saint-Antoine ont vécu il y a quelques jours une semaine d'évangélisation avec des jeunes étudiants de Bruxelles, avec des chants aux abords des églises, des distributions de colis aux plus démunis, une nuit passée avec des sans-abri ou encore des temps d'évangélisation dans le métro. Annoncer Jésus, c'est non seulement possible, mais il faut le faire, nous rappellent les franciscains belges avec une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un temps de crise. Le monde a besoin de ton témoignage de foi. Le monde a besoin de tes expériences de Dieu. Le monde a besoin que tu évangélises. Le pape nous appelle de sortir. Dieu nous appelle à sortir. Mes frères et sœurs, si nous avons pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Commence aujourd'hui parce que Dieu t'appelle. Si vos enfants ou vos petits-enfants apprécient de jouer avec les célèbres petits bonhommes en plastique, eh bien sachez que le diocèse de Paris est présent depuis ce matin au salon Kid Expo Porte de Versailles. Comme l'an passé, avec une grande maquette qui raconte les étapes de la vie de Jésus, des bénévoles se relaient pour accueillir les enfants dans la bonne humeur, des coloriages ou des bricolages sont proposés aux plus jeunes et des quiz pour les plus grands, un moyen de montrer que l'Église est à côté des familles dans toutes leurs dimensions. L'exposition continue jusqu'au 30 octobre. On poursuit avec la chronique du père Venard. Il revient sur ce que des observateurs ont appelé un recadrage du pape François envers le cardinal Sarah, le préfet de la Congrégation pour le culte divin. En cause, ses observations sur le motu proprio du 9 septembre concernant les traditions liturgiques sur lesquelles le pape François est revenu dans une lettre publiée dimanche. Le pape se mêle de liturgie. Oh, la belle affaire! Tiens, voilà quelque chose de bien surprenant. Surprenant peut-être pour des gens de l'extérieur, mais pour nous catholiques, c'est bien le moins que le souverain pontife soit en même temps celui qui veille à la bonne application de la liturgie dans la Sainte Église. Alors le pape s'en est mêlé en effet parce qu'il a donné dans un premier temps une lettre, on pourrait dire une lettre de cadrage d'une manière générale, c'est ce que l'on dirait dans un ministère, pour indiquer qu'il souhaitait redonner aux conférences épiscopales, aux diocèses, une certaine liberté.
Et puis, ce qui fait plus l'objet de ma chronique aujourd'hui, c'est que le pape a cru bon d'écrire un courrier supplémentaire au cardinal Sarah. Alors cela donnait des titres un peu bizarres dans la presse, même la presse catholique, je cite La Croix, hein, le pape recadre le cardinal Sarah. Cardinal Sarah, qui est peut-être d'ailleurs au passage un peu prisonnier de certains de nos frères catholiques qui se sentent parfois dérangés par le pape François dans ses positions et qui verraient bien volontiers dans le cardinal Sarah une espèce d'antipape, ou bien qui tiennent à une vision très stricte de la liturgie, et ils se retrouvaient peut-être plus avec les attendus du pape Benoît XVI, plus qu'avec le pape François. Alors, disons-le clairement, tout cela, ce n'est pas une manière très catholique d'envisager les débats dans l'Église. L'Église, voyez-vous, n'est pas un parti politique qui, tel, on l'a connu ça en France, avec le Parti Socialiste ou d'autres partis, qui seraient traversés par des courants où les uns et les autres essaieraient d'avancer leurs pions et leurs candidats. Non, dans l'Église, cela ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, le cardinal Sarah lui-même nous en montre l'exemple. Alors, ne cherchons pas à prendre des positions trop dures, ne cherchons pas à mettre tout cela sous le plan politique, vivons-le véritablement comme des catholiques, en recevant du pape ce qu'il y a à en recevoir, c'est-à-dire les directives qu'il souhaite pour l'ensemble de l'Église catholique. Merci Père, tout de suite la revue de presse. Protestants en fête en une de réforme à quelques heures du grand rassemblement de Strasbourg, Frédéric Casadesus. Eh oui, cher Olivier, la semaine dernière, vous savez que réforme a présenté un grand sondage d'opinion réalisé avec la Fédération protestante de France pour savoir un peu ce qu'étaient les protestants. Et comme je sens que notre temps est compté, je résumerai en disant qu'il faut lutter contre les clichés et que ce sondage révèle bien des surprises. Eh bien, on en parlera peut-être tout à l'heure également. Dans l'éditorial de France Catholique, vous remerciez Christine Boutin, Gérard Leclerc, qui vient de quitter la politique. Ben oui, je sais bien que c'est une personne qui a été très critiquée, etc., mais c'est une personne qui a eu du courage. Du courage, elle n'a jamais admis cette schizophrénie qui veut qu'on sépare ses positions politiques, ses convictions chrétiennes. Et elle a entamé un certain nombre de batailles, notamment sur le terrain de la bioéthique, mais pas seulement. Il faut se souvenir qu'elle a été ministre du Logement et qu'elle a imposé à ce moment-là une loi qui l'a fait prendre pour une idéaliste. Non, elle a toujours accordé, même dans ce domaine-là, ses convictions avec ses positions politiques. Merci Gérard Leclerc. À l'approche de la Toussaint, Pèlerin propose plusieurs façons d'entretenir une relation avec ceux qui nous ont quittés. On peut faire dire des messes, établir un arbre généalogique ou encore se réunir à une date anniversaire en mémoire des défunts. Car l'amour ne meurt jamais, comme l'exprime le père Stala Bourdillon dans les colonnes de Pèlerin. De son côté, Famille Chrétienne aborde la fête de la Toussaint en nous présentant des causes de saints français dont les dossiers de canonisation sont actuellement en cours à Rome. Et puis un reportage sur la façon dont des fidèles et des prêtres œuvrent pour maintenir les églises ouvertes ou pour les rouvrir et en faire des lieux vivants de foi. La vie s'intéresse à ces nouvelles technologies qui changent le rapport à la mort. Avec l'intelligence artificielle, il est désormais possible de continuer à communiquer virtuellement avec nos proches disparus. Sous couvert de vous aider à faire votre deuil, ces outils nous poussent à faire comme si la mort n'existe pas, s'inquiète la vie dans son dossier. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, on retrouve nos éditorialistes. La troisième édition de Protestants en fête ce week-end à Strasbourg aura une saveur particulière avec les 500 ans de la réforme protestante commémorée depuis un an, un temps qui permet aussi un rapprochement entre protestants et catholiques. On se souvient de la déclaration conjointe entre le pape François et le révérend Munib Younan il y a un an en Suède pour affirmer leur volonté de poursuivre le dialogue pour éliminer les derniers obstacles pour la pleine unité. Frédéric Casadesus, je rappelle que vous êtes donc journaliste à l'hebdomadaire protestant Réforme. Derrière toutes ces déclarations officielles,
Comment est-ce qu'on peut favoriser la rencontre? Comment est-ce qu'on peut favoriser ce chemin entre catholiques et protestants pour vous? Mais je pense que le bon chemin, peut-être, c'est de ne pas nier nos différences et nos éventuels désaccords, de les reconnaître, de les faire vivre. Olivier Abel, philosophe et protestant, Olivier Abel dit que dans la fraternité, eh bien, il fait chaud. Et quand c'est chaud, ça peut brûler, ça peut faire de la friction. Et plutôt que d'agiter des briquets dans les salles de concert en disant « vivre ensemble, vivre ensemble », reconnaissons que vivre ensemble est une aventure périlleuse qui parfois peut connaître des échecs, mais c'est justement à l'aune de ces échecs que l'on accède à un vrai succès, c'est-à-dire une fraternité authentique et sincère. Voilà. Gérard Leclerc, vous rejoignez les propos de Frédéric? Oui, tout à fait. Tout à fait, mais j'ajouterais quand même quelque chose, c'est que la connaissance de l'autre est indispensable. Moi, j'étais très frappé, et j'avais fait tout un travail au moment du 500e anniversaire de la naissance de Luther. En 1983. Absolument. Au Quotidien de Paris. J'avais fait un gros travail, même d'enquête sur le terrain, à ce moment-là, et j'avais été voir notamment des vieux pasteurs qui étaient dans une maison de retraite à Meudon. Oui. Et j'ai été très frappé par ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit... aux alentours du concile, après le concile, s'est passé quelque chose de formidable pour nous. C'est que le prêtre catholique qui était notre voisin est venu nous voir. Et nous avons commencé à parler, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Il s'est créé à ce moment-là des liens de proximité qui ont changé de façon extraordinaire le climat. Donc, le seul fait, effectivement, de cette proximité, c'est quand même une formidable avancée. Ce qui n'empêche pas, là je suis d'accord, évidemment, la discussion sur des problèmes de fond, des problèmes dogmatiques, ça, c'est incontestable. Cette avancée de la rencontre concrète, est-ce que vous l'avez constaté aussi dans votre dernière rencontre? Parce que vous publiez actuellement un livre qui s'appelle « Les diaconesses de Reuilly » à livre ouvert, donc aux éditions Olivetan. Et là, vous êtes allé rencontrer des diaconesses. Et est-ce que vous avez échangé justement sur cette rencontre avec les catholiques, avec elles? Quel a été À titre personnel, en tant que co-auteur de ce livre avec Karine Bouvatier, j'ai été vraiment bouleversé par ces rencontres. Car journaliste et protestant, familier du monde protestant, je n'étais vraiment pas familier des diaconesses de Reuilly, qui sont pourtant protestantes. Et ces rencontres m'ont profondément bouleversé. Ce sont des femmes qui ne sont pas du tout, comme on pourrait le croire, des femmes enfermées. Les religieuses ne sont pas des femmes enfermées. Ce sont des femmes épanouies qui se réalisent dans la rencontre avec Dieu, avec Jésus, qui expriment cela d'une manière extrêmement fervente, mais pas du tout exagérée, comme on pourrait le croire, pas du tout. Il y a là des destins, ce sont plusieurs rencontres que je raconte dans ce livre et que montre Karine Bouvatier. Et on voit bien qu'à l'origine, les destins sont divers. Et puis ces femmes trouvent leur chemin et sont aujourd'hui, elles forment une communauté. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut recevoir aujourd'hui, Gérard Leclerc, de la communauté protestante? Vous, qu'est-ce qui vous marque dans vos différentes rencontres? Il y a beaucoup de choses. D'abord, bon, moi, je suis un lecteur, j'aime beaucoup lire, et la confrontation avec Luther, la personnalité de Luther, son destin, etc., et puis les grandes figures aussi de la théologie protestante, moi, ça m'intéresse beaucoup. Karl Barth, j'ai lu un peu Karl Barth, etc., j'en ai beaucoup appris. Donc, et puis, alors, j'étais frappé par une chose, j'ai connu aussi le grand théologien Hansus von Balthasar. Il se trouvait qu'il habitait dans la même ville que Karl Barth. Et il y avait eu entre les deux hommes un dialogue étonnant. Mais Balthasar m'avait dit, on a discuté des années ensemble, mais pour se dire à la fin, on sera toujours, moi, un catholique et vous un calviniste, en quelque sorte. Donc ils avaient énormément discuté, mais pour retrouver quand même ces différences. Et puis, la culture catholique, à mon tour et brièvement, je désire lui rendre hommage, est riche de tant de choses, de tant de perspectives aussi. On parle de l'art, tout ça, il n'y a pas que l'art quand même. Il y a aussi cette souplesse que, je dois le dire, nous n'avons pas toujours. Alors effectivement, on a vu, parce qu'avec nos métiers, c'est vrai qu'on a la chance d'aller, de pouvoir lire, d'aller à la rencontre de personnes, mais est-ce que... les fidèles catholiques et les protestants, comment est-ce qu'ils peuvent mettre en marche, je dirais, une rencontre possible, assez concrètement pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles? Je vous en prie, Gérard. Il se trouve que moi,
je voisine, si j'ose dire, avec une paroisse évangélique et je rencontre souvent le pasteur de cette paroisse sur les bords de Marne où je fais une promenade quasi quotidienne. Et bon, je découvre tout un monde que j'ignorais. Bon, et d'ailleurs, qui est un problème pour vous, hein, que vous évoquez dans votre numéro, là, d'une façon très intéressante, d'ailleurs, cette question de cette rencontre entre les évangéliques et ce que j'appellerais les confessions traditionnelles. C'est un problème, si vous me permettez. Non. Au contraire, oui. Et d'ailleurs, dans ce sondage paru dans Réforme, nous disons que, justement, contrairement à ce qu'on croit, les évangéliques ne sont pas conservateurs, contrairement à ce qu'on croit, ils ne sont pas détachés du champ politique. Et non, ce n'est pas un problème, au contraire, c'est un encouragement, une stimulation. Je crois que le monde protestant est renouvelé, confronté à cette altérité, et ça, vraiment, c'est une chance. Mais à condition, là encore, de faire vivre le dialogue, c'est-à-dire de ne pas dire « c'est une chance » et allumons nos briquets comme au Zénith quand on voit une chanteuse ou un chanteur. Merci beaucoup Gérard Leclerc, merci beaucoup Frédéric Casadesus. Je rappelle que votre livre « Les diaconesses de Reuilly » avec Karine Bouvatier est sorti aux éditions Olivetan. Pour revoir cette émission, notre site internet www.kto.tv.com. Réagissez avec le hashtag « À la source ». À la semaine prochaine, excellente soirée sur KTO.